Je t'aime, I love you, ti amo, te quiero, te ubesque. Si vous ne l'avez pas déjà deviné, le défi de cette semaine vous fera travailler sur l'expression de votre amour au quotidien. Pour le défi 19, vous allez devoir dire « je t'aime » à vos proches. Pour le niveau facile, on commence doucement, en préparant le petit déjeuner et en l'apportant au lit à un membre de votre famille. Pour le niveau moyen, on écrit 7 mots d'amour, un pour chaque jour de la semaine, et on les remet à notre conjoint ou un membre de notre famille. Enfin, nos amis audacieux vont devoir se creuser la tête, car ils vont devoir faire la surprise de leur choix à leur conjoint ou un membre de leur famille. Ça peut être un restaurant, un cadeau, des fleurs, des chocolats ou autre chose. Mais attention, il faudra lui faire non pas une, mais 2 surprises dans la semaine. Et bien sûr, il faudra lui dire je t'aime. Bonne semaine à tous et bon défi. Exprimez votre amour cette semaine et continuez quand même le défi quand il aura pris fin. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu? Moi aussi, ça va. En ce sabbat 7 mars, ça y est, c'est le début du mois des jeunes. Vous allez voir tout au long de ce mois des jeunes intervenir dans différents départements. Donc je vous invite à les encourager, à être avec eux, à leur faire des sourires et permettre qu'ils puissent se sentir à l'aise pour pouvoir délivrer ce qu'ils ont à délivrer pour leur Seigneur. En ce matin, je vous invite à chanter de tout votre cœur votre amour pour le Seigneur. Chantez combien il est bon, combien il est grand. Je vous invite à prendre ensemble le j'aime 640, Ô Jésus, mon Sauveur. Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi.
prendre avec nous le chant « Sois exalté ». Clôturer ce moment de louange, je vous invite à prendre avec nous le chantème « Ta valeur ». Seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se terminera. Le péché ne pourra jamais effacer que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne de valeur. Mais ni ce que tu as ou ce que tu sais faire, voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère!
mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne de valeur. Mais ni ce que tu as ou ce que tu sais faire, voilà l'amour de Dieu pour toi. Abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Merci Jésus. Merci car tu nous as réunis aujourd'hui. Je te remercie car nous sommes beaucoup de jeunes à vouloir t'adorer et te louer. Permets que tu puisses être avec nous et permets que tu puisses nous accompagner tout au long de ce programme. Sois avec nous au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Le texte de repentance aujourd'hui se trouve dans le psaume 95, versets 1 à 7. Après quoi, j'inviterai l'Assemblée, ceux qui le peuvent, ceux qui sont réjouis de se prosterner devant l'Éternel, ou ceux qui veulent se tenir dans une position adéquate, eh bien, j'inviterai tout cela juste après le chant d'introduction à prier le Seigneur. Après quoi, quand j'aurai fini la prière, il va y avoir juste un moment de clôture, un moment de musique de clôture, et après quoi, nous allons nous lever. Alors, le psaume 95, à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez. Prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole.
Éternel, Dieu créateur, Dieu sauveur, Dieu rédempteur. Éternel, toi le vivant, toi le saint, toi l'éternel qui vit au siècle des siècles. À toi, Seigneur, la louange, à toi l'honneur. À toi, Seigneur, la richesse, la puissance, à toi nos cœurs. Voici cette Église est venue comme un seul homme se prosterner en ce matin devant toi. Oui, Seigneur, car nous croyons ce que dit ta parole. Dans ta parole, tu t'es révélé comme étant le Dieu de toutes choses, le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, ces âmes viennent se prosterner devant toi, s'incliner devant toi, s'humilier devant toi. Car nul n'est pareil à toi. Nul, Seigneur, ne peut te remplacer, car tu es Dieu. Nous venons, Seigneur, avec tant de choses, tant de pensées, tant de prières, tant de louanges, car nous savons que nous avons affaire à un Dieu vivant, car tu es présent. Toi-même, tu l'as dit, Seigneur. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons fermement, Seigneur, que tu es là avec nous en ce matin. La jeunesse, Seigneur, est venue. La jeunesse, elle est présente. Et elle vient, Seigneur, s'ouvrir son cœur à l'influence de ta parole. Tu as pour nous beaucoup de choses en ce matin. Et nous te disons merci. Mais avant tout, Seigneur, malgré ce que nous disons, oui, nous disons que tu es un Dieu vivant. Nous disons que tu es un Dieu bon, compatissant. Nous disons que tu es le Créateur. Nous disons que tu es Dieu, tout simplement. Et pourtant, Seigneur, nous passons à côté de tant de choses. Car nous ne mettons pas en pratique ta parole, Seigneur. Tu as beau nous dire de marcher comme ça, eh bien, nous marchons autrement. Tu as beau nous dire de mettre en exergue ta personne, eh bien, Seigneur, nous nous déconnectons de toi. Tu as beau nous dire, Seigneur, de faire ta volonté, de respecter tes préceptes. Eh bien, Seigneur, nous faisons ce que nous voulons. Nous sommes, Seigneur, dans ce monde. Tu nous as dit que nous ne sommes pas du monde. Mais, Seigneur, j'ai comme l'impression que le monde est en train de nous gagner. Alors, c'est pour la raison pour laquelle, Seigneur, je te demande par ton Esprit Saint. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, pu dire. Tout ce que nous avons pu accomplir, Seigneur, qui n'est pas de toi. Oui, nous avons péché contre toi et nous le reconnaissons. Ce n'est pas une litanie de venir à chaque fois te demander pardon. Mais Seigneur, nous sommes si faibles et nous te prions ce matin de venir faire, Seigneur, ta demeure en nous. Oui, rajoute en nous un peu de ta force, Seigneur, afin que nos faiblesses ne soient pas, Seigneur, une abomination, ne soient pas contre nous, Seigneur, cet ennemi qui nous fera chuter, qui nous fera tomber. Père très saint, je voudrais particulièrement te présenter en ce matin cette jeunesse, Seigneur. Comme a dit Samia, nous sommes dans le mois de la jeunesse. Les jeunes, Seigneur, vont se donner cœur, âme et esprit. Mais, Seigneur, que ce ne soit pas seulement dans le mois. Nous voulons, Seigneur, que cette jeunesse puisse s'épanouir toute l'année avec toi. Que tu puisses donner, Seigneur, à ceux qui sont responsables de cette Église, aux pasteurs premièrement, puis les anciens et tous les responsables de département, à ce qu'ils puissent, Seigneur, mettre en valeur cette jeunesse. Car en mettant la jeunesse en valeur, Seigneur, c'est toi qui es en exergue, c'est toi qui es en avant. Que ton nom soit béni, Seigneur, à travers cette jeunesse. Que la jeunesse puisse comprendre qu'elle est utile à l'Église et qu'elle est, Seigneur, chacun pour soi et devant toi, un ambassadeur puissant. Père très saint, je voudrais aussi te présenter tous ceux qui sont venus ici. Il y a beaucoup qui sont, Seigneur, découragés, fatigués. Il y a de ceux qui viennent mais qui sont malades. Seigneur, tu peux les guérir. Tu peux, Seigneur. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'eux. Libère, Seigneur, chaque âme et permets que ton esprit, Seigneur, puisse fructifier en eux, Seigneur, cette paix. Père très saint, je voudrais aussi te faire part de tous ceux, Seigneur, qui sont sceptiques, tous ceux qui ont peut-être peur par rapport, Seigneur, à ce fléau qu'est ce virus COVID-19. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à te faire confiance et à marcher avec toi. Oui, nous devons respecter ce que disent les autorités,
mais nous ne devons pas avoir peur, Seigneur, car tu es avec nous. Veuille bénir, Seigneur, la France. Veuille bénir le monde, Seigneur, et que chacun puisse prendre conscience que si ces fléaux tombent, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Mais aussi, Seigneur, c'est par rapport à la façon dont nous fonctionnons, nous les humains. Nous avons tendance, Seigneur, à faire n'importe quoi. Et les maladies, nous ouvrons la porte aux maladies. Et l'ennemi, Seigneur, Satan, il est là, Seigneur, pour jeter, Seigneur, le discrédit sur chacun. Seigneur, que tu donnes aux autorités, Seigneur, cette ouverture d'esprit, pour qu'ils puissent reconnaître que tu es Dieu d'éternité en éternité. Père très saint, je voudrais aussi te présenter la dîme et les offrandes que nous t'avons apportées ce matin. Veuille dans ton amour bénir ceux que tu as mis en place afin que ceux-là même puissent faire fructifier, Seigneur, cet argent en âme gagnée. Seigneur, que ton nom soit béni, que l'Église depuis eux soit bénie, que la jeunesse soit bénie, que les parents soient bénis. Seigneur, bénis, Seigneur, tous les responsables de département. Bénis tous les enfants de cette Église et d'ailleurs, et que seul, Seigneur, ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, chers membres, chers visiteurs et chers internautes. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Au nom déjà de l'Église de Puise-Pontoise, bienvenue. Service de fidélité. Alors que nous adorons maintenant le Seigneur avec des dîmes et les offrandes, prions pour que notre cœur soit également déconnecté des choses de ce monde et connecté à lui et à son dessein éternel pour nous. Père céleste, veuille accepter ce que nous t'apportons aujourd'hui comme gage de notre volonté de tout mettre à tes pieds. J'invite le diacre et la diaconesse à passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Je désire te voir.
Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle Tom. Il avait beaucoup de difficultés en classe et son maître lui a dit qu'ils allaient bientôt avoir une grosse évaluation. Donc Tom, il va tout raconter à sa maman et il lui dit « Mais maman, je ne vais pas pouvoir y arriver. » Et sa maman, elle lui dit « Prie et Dieu pourra t'aider. » Donc pendant la semaine, Tom, il étudie, il prie, il demande à Dieu de l'aider. Et puis le jour de l'évaluation, il s'installe en classe et répond aux questions. Quand le maître il dit « stop », il va ramasser les feuilles et la journée est finie. Il rentre à la maison, il dit à sa maman « Je pense que je vais avoir une bonne note. » Et le lendemain matin, le maître rend les copies et dit « La meilleure note est celle de Tom. Félicitations. » Alors, en rentrant, Tom il dit à sa maman « J'ai eu la meilleure note !» Et sa maman, qui est très fière de lui, lui dit « Tu vois, Dieu peut beaucoup de choses. » Voilà. Qui veut prier ? Avec du lait ou sans lait? Avec du chocolat aussi?
Allez, bon, on se dépêche. Moi, j'ai fini de me préparer autour de la table. Ah, ok. Autour de la table du petit déjeuner, les enfants mangent leur bol de céréales. Maman veille sur ses enfants tout en se préparant à partir. Papa passe un coup devant, dans la cuisine, tout en nouant sa cravate. Il embrasse ses enfants rapidement ainsi que sa femme. Celle de directeur des ventes, j'avais travaillé 6 mois pour 100 grammes. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais, mon chéri, mais t'inquiète pas, on a payé pour ça. Considère que tu l'as déjà. Est-ce que tu veux prendre un petit déjeuner avant de partir? Franchement, je vais faire vite. Hein. Tu vas faire vite? Bon, je vois que tu es prêt aussi. Allez, bon. Je vais te payer. Tiens, je te mets ta veste. Voilà. Écoute, ben bon courage et puis que Dieu t'accompagne. Hein. C'est bon, c'est tout le temps que vous ne voulez pas aller à l'école. Vous croyez que moi, si j'avais fait comme vous, je serais une avocate de renom? Eh ben non, 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 hein. On va à l'école et puis on prépare son avenir. Allez, on se dépêche, je prends mes affaires et on y va. Allez, dépêchez-vous de terminer. Au travail, le père apprend que sa promotion est compromise et que le directeur de l'établissement a préféré la candidature d'un de ses collègues. Le dialogue entre le chef de service et le père est tendu. Justine, tu peux m'envoyer les employés, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Merci. Sera décidé pour donc, la fin de semaine. À quoi j'ai servi? Alors j'ai travaillé pendant 6 mois pour vous et c'est tout ce que vous pouvez me donner. Ouais, bah, désolé, mais c'est comme ça. Et vous êtes juste désolé. Ouais. Et moi, du coup, je sers à quoi dans tout ça? Qu'est-ce que vous me donnez? J'ai quoi en retour? Écoutez, c'est les chiffres qui ont parlé et puis il n'y a pas d'autres. Les chiffres, mais quels chiffres? C'est pas ça le truc, c'est que c'est un stagiaire. Oui, beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de chiffres qui peuvent être mis dans cette association, dans cette entreprise. Et c'est tout ce que vous pouvez me dire. Genre, tout ce que j'ai fait, ça ne servait à rien. Vous donnez le poste, vous donnez mon poste à lui,
Et ça s'est fini comme ça, d'accord. Il n'y a eu aucun nom après, avant, il n'y a eu aucun nom pour cette promotion et nous l'avons décidé après. D'accord, ok, je vois. Bon, allez. C'est quoi, vous allez entendre parler. De toute façon, ce sera pas fini. Ils sont complètement fous, non hein. Du coup, j'aurai un nouveau bureau. Vous pouvez partir. De leur côté, les enfants subissent des situations stressantes à l'école. Lors de l'activité physique, l'enseignant propose à Aaron de s'exercer au basket. Aujourd'hui, là, on va commencer. Est-ce que tu sais jouer au basket? Non? On va apprendre ça, alors. On va apprendre ça. Alors, tu vois le panier, là? Donc, on va commencer pour le basket. Ok? Je vais t'apprendre à tirer. Et voilà. Tu vois, c'est facile. Mets-toi à toi. Non, attends. On va essayer encore. Tu vas regarder ce que je fais. Ok. C'est facile. Ok. Tu prends la balle. Ok. Tu mets comme ça la balle. Ok. Voilà. Bon, maintenant tu vas re-essayer. Vas-y. Non. C'est facile ce que je t'ai appris là. Donc, c'est facile pour vous, mais pas pour moi. Suite aux événements, les deux enfants quittent la cour de récréation attristés. De retour à la maison, l'ambiance est lourde. Les parents ne sont pas émotionnellement disponibles. Problème? Oui. Bon, il n'y a pas de problème, c'est votre
voisin. Bonjour. Levez-vous pour la lecture de la Bible. Enfants, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Bonjour à tous. Alors, quand nous nous surestimons, notre orgueil nous envahit et nous aveugle. Seule notre petite personne compte à nos yeux. Nous ne sommes plus à l'écoute des autres. Leur avis nous importe peu. La journée passe et les conflits s'accumulent. Effectivement, comme nous pensons tous savoir mieux que les autres, nous devenons autosuffisants. Pourquoi s'embêter à nouer des liens forts ? Alors se crée un gouffre entre Dieu et nous. Jésus a renoncé à tout pour accomplir le merveilleux plan de la rédemption. Nous racheter à grand prix celui de sa propre vie. Hériter du caractère du Christ, c'est d'abord ressentir l'amour pour son prochain. Un amour qui devrait nous pousser à considérer l'autre comme supérieur à soi-même. Jésus a passé tant de temps à l'écoute des autres. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Amen. Bonjour à tous. Alors, comme a dit Moriana, quand nous nous surestimons, il se crée un gouffre entre Dieu et nous. Donc, nous ne pouvons plus communiquer avec lui. Cependant, quand nous nous sous-estimons, c'est-à-dire que, tout simplement, nous pensons ne pas avoir les qualités, des qualités requises pour une tâche, nous remettons en cause la valeur que Dieu, ou plutôt les dons et les qualités que Dieu a mis en nous. Sachant que, tout simplement, Dieu nous a créés, donc il nous a créés avec des dons et qualités qui sont destinés à une tâche. Et donc, vu que nous faisons ça, nous, psychologiquement aussi, nous ne sommes pas prêts pour tout simplement agir et faire l'action avec toutes nos qualités et faire l'action à 100%. Et donc, comme nous nous dévalorisons, ça nous empêche de voir tout simplement les qualités et même ce que nous pouvons entreprendre. Mais cependant, Dieu, dans la Bible, dit qu'il faut tout simplement que nous sommes déjà très précieux et que nous avons beaucoup de valeur.
Cependant, ce surestimé, comme a dit Moriana, nous pousse souvent à l'extrême, à l'amour de soi, c'est-à-dire peut-être tout le temps se regarder dans le miroir, se dire oh, « je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus costaud, je suis le plus intelligent », ou se dire « de toute façon, je suis le meilleur ». Et cela, en fait, nous pousse à tout simplement ne pas prendre en compte le sentiment des autres. Quand une personne va venir et vous dire, par exemple, je n'arrive pas à faire cet exercice de maths, vous allez dire, oh, mais c'est facile. Ou comme tout à l'heure avec le petit garçon qui n'arrivait pas à mettre un panier, et son professeur, bon, voilà quoi, il le met du premier coup, et bien il lui a dit, mais c'est facile pourtant. Et le petit garçon lui a dit, bah oui, c'est facile pour vous, mais pas pour moi. Donc chacun a ses capacités, chacun a des qualités, chacun a des dons. Mais il ne faut surtout pas se sous-estimer, mais aussi se surestimer. Car chacun est comme il est, tout simplement. Dieu nous a créés avec des qualités, nous sommes tous complémentaires. Autre chose, il ne faut pas oublier que quand même, Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix, et ce n'est pas un petit prix en fait. Il ne l'a pas fait en mode « bon, ça me fait plaisir, je vais le faire ». Il a vraiment souffert pour nous, et ce n'est pas pour qu'après nous nous disons « bon, je suis vraiment nul, franchement, je suis nul, je ne sais rien faire », ou « non, ça, ce n'est pas pour moi ». Même dans l'Église, chacun a des dons, chacun a des qualités, et je pense qu'il ne faut pas se dire « bon, et cette personne chante mieux que moi, donc je vais laisser la place, je vais plutôt m'asseoir et être spectateur. » Ou même une personne joue mieux que moi, donc je me dis « bon, c'est fini », ou ainsi de suite. Je pense que chacun a sa place dans l'Église et que tout le monde doit prendre part à cette grande famille, quoi. Même les jeunes, parce que, bon, à cet âge-là, on se remet souvent en question, on se dit « oui, mais elle, lui... » Même sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir. Dès qu'on voit une personne, on se dit « bon, oh, t'as vu comment elle est musclée ? Oh, mais t'as vu son ventre plat ? Non, mais t'as vu ses cuisses ? Oh là là, des trucs comme ça, physiquement ou même mentalement. » On voit des personnes « oh, t'as vu, il a fait cette équation, je ne sais pas combien de temps, ainsi de suite. » Alors que même si cette personne, certes, a une facilité, nous aussi, on a certaines facilités. Et dans l'Église aussi, on a tous une qualité, un don que Dieu nous a donné et que nous devrions mettre au service tout simplement de l'adoration, quoi, du culte. Et donc pour conclure, nous devons surtout prendre comme exemple Jésus. Parce que Jésus ne se surestimait pas, mais il ne se sous-estimait pas non plus. C'est-à-dire il est venu, il s'est dit « bon, j'ai une tâche ». Je dois faire ça, ça, ça. Certes, je suis le fils de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'il sortait dans la rue et disait « bon, moi, je suis le fils de Dieu, cire-moi mes chaussures, fais mes lacets, des trucs comme ça. » Non, il était tout simplement lui-même, il était humble, il allait voir les personnes qui n'avaient pas de sous, les personnes qui étaient pauvres, les personnes aussi sans domicile, et il venait vers eux et il discutait. Donc il ne se surestimait pas, il ne se sous-estimait pas. Et puis même, le slogan de ce mois, c'est « estime-toi ». Donc, ça veut tout dire, c'est-à-dire trouver un équilibre, un juste milieu. Et donc, il ne faut pas se sous-estimer pour ne pas remettre en cause ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Mais il ne faut pas aussi se surestimer et puis créer une sorte de gouffre entre Dieu et moi, ou même la personne qui se surestime. Je vais vous laisser avec un verset qui se trouve dans 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc voilà, je vous souhaite un bon sabbat, et puis... bon sabbat.
Je vous invite à prendre avec nous. Manifeste ta présence. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Et nos fils et nos filles prophétiseront. Nos vieillards auront des songes et nos enfants des visions. Ce que tu as dit, Seigneur, se réalise. Ici, appuie-eux. La jeunesse, Seigneur, commence à prendre conscience qu'elle est utile à ton œuvre. Tu as besoin, Seigneur, de cette jeunesse pour faire avancer le message, pour que cette Église puisse avancer. Avancer, Seigneur, dans l'évangélisation. En ce matin, Seigneur, en ce midi, que chacun puisse prendre conscience qu'il est un sujet important au sein de cette Église. Que les responsables puissent prendre conscience qu'ils ne peuvent pas tout faire, mais qu'ils doivent permettre à la jeunesse. Et je l'ai dit, je recommence, Seigneur, pas seulement durant le mois de mars, mais dans l'année en continu. Et que chacun puisse avoir en vision cette Canaan, non pas terrestre, mais celle céleste. Nous avons un beau message à faire connaître au monde. Mais Seigneur, si tu ne viens pas, si tu ne réalises pas en nous ce travail, eh bien personne ne pourra le faire, car nous sommes vraiment sans force.
Mais nous avons la conviction que tu es présent au milieu de nous. Et c'est pour cette raison que nous te disons, gloire te soit rendue. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as choisi cette église pour propager le message des trois anges, le message de l'Évangile. Bénis, Seigneur, et fais du bien encore, au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. Chère Église, le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'appelle à croître dans la grâce, dans cette perfection. Reçois du Saint-Esprit l'intelligence nécessaire et surtout la conviction par la foi que tu es béni pour Dieu, pour ce message et que tu puisses parler avec force à ce monde qui se meurt. Que Dieu puisse te donner la paix du cœur et que tous nous puissions aller ensemble dans cette paix, au nom de Jésus. Amen. Amen.